semblent désunis pour une fois encore, préférant le naufrage et se battant à mort. C'est là ce qu'annonçait la bande à Sarkozy, qui jusqu'au dernier jour crut à la zizanie. Au PRS, c'est la DRS, de Lefèvre inutile à mort à nos Bivières. Tous les petits soldats nous annonçaient la guerre entre éléphants miteux et jeunes loups ardents, pour savoir qui d'entre eux la jouerait président. Au PS, c'est la liesse. Il n'avait pas de nom, il n'avait pas de mots pour dire que la gauche est le pire des maux. Que lui faire confiance en ces temps incertains reviendrait à confier la France à des gamins. Au PS, c'est la liesse. Traiter d'irresponsables ceux de l'opposition, quand on voit où ces gens ont conduit la nation, avec tous les pouvoirs depuis bientôt 10 ans, qui n'ont jamais rien fait que protéger l'argent. Au PS, c'est la liesse. L'UMP ne peut plus que balancer partout des histoires sorties droit du tout à l'égout, croyant désamorcer les vrais qu'à son endroit sortiront sûrement les défenseurs des lois. Au PS, c'est la liesse. À la télévision, au lieu de s'étriper, ils ont montré comment, sur de grandes idées, un parti responsable et des gens compétents remplacerait fort bien l'actuel président. Au PS, c'est la liesse.